spectacle Pantagruel de François Rabelais est né d'une envie que j'ai depuis près de 8 ans. J'ai voulu faire ce travail sur cette langue qui m'est très personnelle parce que mes grands-parents parlaient patois. Mon grand-père, mes grands-parents maternels parlaient occitan dans le coin de l'Aveyron et mes grands-parents paternels étaient morvandiaux. Voilà, donc le cœur de la Bourgogne. Et je me rappelle des souvenirs comme mon grand-père qui mangeait un bout de saucisson et qui me disait « Tiens !» Et je sais que c'est marrant, ça m'a toujours passionné, ces patois, ces langues, ces régionalismes, tout ça. Ça a été quelque chose qui m'a, je sais pas, ça m'a toujours marqué, Pantagruel, théâtre humoristique. Parce que c'est vrai que c'est très très drôle, c'est vraiment à mourir de rire, même s'il y a un jeu sur le langage, il y a voilà, une truculence. Alors on a l'image d'ogre bouffant, buvant du vin, tout ça, que je suis un peu. Mais ça faisait très longtemps que je travaillais sur Rabelais et c'est enfin le moment pour moi. Et peut-être que c'est vrai que c'est comme si c'était un dernier spectacle, comme un baisser de rideau à la Guy Bedos. Mais pour moi, c'est très important de faire ce spectacle.